j'étais petit, avant même de savoir écrire, j'aimais dessiner sur des grands papiers blancs. Mon père vendait du thé et des épices à Fès, et il avait des grandes nappes de papier blanc dans lesquelles il enveloppait les épices. Et mon plaisir, c'était de noircir ces papiers. J'ai continué à dessiner après avoir appris à lire et à écrire. Mais j'ai toujours dessiné. Et alors, beaucoup plus tard, j'avais pas d'agenda, mais j'avais des cahiers dans lesquels je prenais des notes. Comme par exemple, je suis au téléphone, alors j'y griffonne, j'y gribouille, je fais des petites choses, des petits dessins, des petites fleurs, des petits personnages. J'ai toujours fait ça. Et en même temps, j'écrivais, je prenais des notes. Parfois, j'entendais à la radio un poète ou un grand romancier dire une phrase intéressante, j'annotais. Et en la notant, je faisais des petits dessins autour. Et j'ai toujours fait ça. Alors, lorsque Lorenzo Zichichi, mon ami éditeur italien, qui est éditeur d'art, est venu un jour, il a vu tous ses dessins, il m'a dit « mais enfin, on va en faire quelque chose ». Alors, parfois, je me dis quelle est la relation entre la poésie et la peinture. Je pense que ce sont deux mondes parallèles et complices. J'ai souvent l'habitude de définir la poésie comme étant la mathématique des émotions, c'est-à-dire cette précision extraordinaire. Alors que là, je ne peux pas parler de précision. La poésie naît de la spontanéité et des couleurs qui ne sont pas attendues, qui ne sont pas prévues. Et alors, en même temps, je me suis amusé à écrire sur le cadre des choses qui ne sont pas forcément des messages, qui ne sont pas non plus des titres qui résument la toile. Je ne suis pas dans les idées, je suis plutôt dans le visuel. Et même les phrases que j'écris, j'essaie un peu de les écrire avec des couleurs et de faire que de ces couleurs jaillit une joie de vivre. Donc la poésie, elle est là aussi. Et la poésie, c'est aussi la gratuité, c'est quelque chose qui n'est pas dans la rentabilité, qui n'est pas dans la marchandise. Et je suis de plus en plus convaincu que seules les choses de la générosité, de la gratuité, de cette espèce de presque de légèreté de l'être, c'est ça qui va peut-être nous sauver et nous réconcilier avec nous-mêmes. Le père de Lolita est en voyage. C'est pourquoi ? Parce que Lolita est écrite par Nabokov. Avec une passion dans sa vie, c'est les papillons. Il chassait les papillons. Autant mes livres sont souvent sombres parce qu'ils parlent des choses graves, de la condition humaine, des immigrés, de l'exil, de la maltraitance des femmes et des enfants, autant mes peintures sont plutôt joyeuses, lumineuses. Je m'exprime avec le maximum de clarté, de lumière, de couleur, sans aucune prétention, parce que je suis juste en train de dire que dans la vie, il y a aussi des moments magnifiques, superbes, où il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a l'esprit qui nous apporte des surprises merveilleuses, et que il faut dire ça avec des couleurs et des formes qui ne sont pas toujours bien étudiées ni analysées, mais qui sont spontanées, subjectives et d'une grande simplicité. Et je m'inspire d'aucun peintre, parce que j'aime beaucoup la peinture, mais je ne suis pas un spécialiste, donc je suis mon instinct quand je commence une toile. Je ne sais pas du tout comment je vais ma main va continuer à tracer des couleurs. C'est un peu comme d'ailleurs quand je commence à écrire un roman, je ne sais pas ce que je vais raconter le lendemain ni comment va se terminer le roman. Et la même chose pour la toile. Alors c'est selon mon point de vue, j'enlève mes lunettes, je regarde, je prends un peu de distance et puis je vois qu'il y a des formes qui peuvent se marier avec d'autres formes, des couleurs qui peuvent varier, etc. Donc c'est un exercice
Vraiment que je fais comme ça pour le plaisir et uniquement pour le plaisir. Et j'espère que ceux qui viendront voir ces toiles ou qui même auront des toiles chez eux de ce type participeront de cet optimisme, de cette joie de vivre et de ce pari que je fais sur le bonheur. C'est pas le travail d'un professionnel, c'est le travail Un amateur. d'un amateur Éclairé. très éclairé.